Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus de Nazareth, notre divin sauveur. Nous remercions Papa bon Dieu qui est dans le ciel là, du fait que lui permette nous d'accoucher, nous réveiller, n'a respirer le souffle de vie. C'est une grâce, c'est une faveur, c'est une bénédiction, bien-aimés frères et sœurs. L'Éternel lui permet ce matin, encore une fois, nous réunir dans le cadre de leçon de l'école du sabbat. Nous prallons étudier parole là ensemble. Nous prallons nourrir nous, bien-aimés frères et sœurs. Je m'a rappelé que n'a pas étudié deuxième leçon dans le trimestre. Ça, c'est un nouveau questionnaire qui gagne pour titre l'Épître aux Éphésiens. Semaine ça. N'a pas étudié le son qui gagnait pour titre le grand plan divin christocentrique. Verset de mémoire là, nous jouons dans Éphésiens 1er, verset 3, qui dit nous que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pour que nous capables de rentrer dans le soin, bien aimés frères, je nous compte principe là très bien. En nous prenons position pour nous prier, Papa bon Dieu qui est dans le ciel là. Adorable Père des cieux, l'Éternel des armées, merci pour ta bonté, ton amour, tes bienfaits manifestés grandement envers nous. Merci parce que vous traversez nos nuits là en basello, vous réveillez nos matins, vous donnez nos chances pour que nous capables d'en pied ou pour que nous capables étudier parole là. Parole là l'ouvrir devant nous, nos besoins comprendre. Aidez-nous, souplez. Voyez cet esprit ou assistez nous. Pardonnez faute nous et péché nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ce matin, le son lit gagnant pour titre Christ au cœur du grandiose plan de Dieu. Christ au cœur du grandiose plan de Dieu. Si ou dans la version anglaise là, it's God's wonderful plan. Et nous prenons ensemble, nous prenons lire ensemble quelques versets. Bien-aimés frères et sœurs, verset ça aussi Apocalypse 14, verset 14. Et acte 1er, verset 9, pour arriver dans verset 11, pour nous que nous capables de découvrir la similitude qui gagnait dans le texte ça. Dans Apocalypse 14, verset 14, c'est un verset que nous connaissons très bien. Et ma postéli sous écran pour nous, pour les gens qui n'ont pas trop familiarisé avec lui, il dit que je regardais et voici il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Acte 1er, verset 9, pour arriver dans verset 11, dit que après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Nous sommes liés pour Apocalypse 14, verset 14 et acte 1er, les versets 9 à 11. Paul, bien-aimé, frère, c'est moi, on pas oublier pendant trimestre ça, c'est un livre éphésien que nous lis, et livre ça, c'est apôtre Paul qui écrit. Apôtre Paul, c'est
les reconnaître en tant que l'apôtre des païens. Donc, apôtre Paul, c'est lui-même qui te prend l'évangile, ça, bonne nouvelle là, pour te lire par païens, bien-aimé, vraiment, ce moins. Paul utilisait trois étiquettes par le plan de Dieu. Première, il dit le ministère de sa volonté. Deuxièmement, il parlait le dessein. Et troisièmement, c'est plan à mettre, c'est un plan à mettre à exécution. Il dit lorsque les temps seraient accomplis. Le plan final de Dieu qui s'accueille. Bien aimé frère, sur mon plan final là, c'est là que bon Dieu réconcilie ou bien réunit toute bagaille, tout partout, dans un seul monde. Monde ça, c'est petit Léa, Jésus de Nazareth. Paul utilisait un gros mot grec. Mot grec ça, on va pas être capable de prononcer le pour nous. Il m'a dit un peu l'exercice pour prononcer mot ça, c'est anakaphalia. Et mot ça, li signifie diriger ou résumer. Diriger ou résumer toute chose en Christ. Pour que Paul capable d'écrire le plan de Dieu, bien-aimé, vraiment sur moi. Il dit que toute bagaille dirigée ou bien résumée en Christ. C'est ça qui fait que mon rêve méchant qui dit que sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Sans Jésus, bien-aimés frères, ce moins nous toutes nous perdus. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui croit. Non, Jésus, c'est pas tout le monde qui a accepté Jésus. Et c'est pour cela travail ça, moi-même ensemble avec nous pour nous faire. Non seulement prêcher parole là, selon la Bible. Bien-aimés frères, ce moins prêcher parole là par action nous tout. Action nous, je veux dire, en pile bagay. Donc, ça que vous pratiquez, bien-aimé frère, ça que vous prêchez, il faut pratiquer, bien-aimé frère, moi. Donc, vous ne pouvez pas paraître tant qu'un hypocrite, vous ne pouvez pas paraître tant qu'un pharisien. Donc, la vie ou même, vie ou supposé témoignage. L'évangile, le témoignage de Jésus. Donc, dans la pratique de la comptabilité ancienne, donc longtemps, les que il a pas contrôlé, mais il a additionné chiffio, il mettait tout chiffio et puis il mettait somme en lait. Donc, je dis à gens que nous-mêmes nous fait addition, mais gens que nous fait n'importe équation, hein, bien aimé frère, monsieur, moi, nous mettez total là en bas. Mais dans tant longtemps, total là, les qu'on en lait, bien aimé frère, monsieur, moi. La Bible dit comme ça que Jésus dirige, donc Jésus paraît au sommet. Donc, l'elle prend et tout et moun li réunion, donc il part en bas. Maintenant, il est le chef, c'est les mêmes qui a dirigé, c'est les mêmes qui a gouverné, c'est les mêmes pour tout le monde qui a mes yeux fixés sur lui. Parce que, bien aimé frère, c'est les mêmes qui permettent toute bagaille ça est possible. Donc, Jésus dirige le plan eschatologique. Encore, c'est un mot qui que nous capables simplifier qui signifie et le plan des derniers jours, le plan de la fin des temps. Donc ce plan est centré
sur Christ. Plan ça, c'est un plan qui était élaboré avant la fondation du monde. Selon ça, nous jouons dans Éphésiens 1er, verset 4. Et plan ça, est si vaste, il englobe tous les temps. C'est ça que fait l'apôtre, dit comme ça, que lorsque les temps seraient accomplis, et il parle tout de l'espace, il dit que toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, nous joignent, ça y est, bien aimé, frère, je vous un verset à mémoriser nous pour se mettre ça. Donc, Paul lui annonçait l'unité en Christ comme le grand but divin de l'univers. Donc, en discutant du plan que Dieu mettra à exécution, elle dit que lorsque les temps seraient accomplis, selon ça nous joignons dans Éphésiens 1er verset 10, Paul partageait le thème qui vient pour développer à travers la lettre. Le thème, bien aimé frère, sur moi, que il vient pour développer au Éphésiens. Donc Dieu commencer son plan d'unifier toutes choses se basant sur la mort, la résurrection, l'ascension et l'exaltation de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, plan c'est Jésus mourit, Jésus ressuscité, Jésus, bien-aimés frères et sœurs, monté dans le ciel là, bien-aimés frères et sœurs, et maintenant il est auprès du Père, et maintenant toutes anges, bien-aimés frères et sœurs, moi, a pas adoré Jésus. Donc, en fondant l'Église et en unifiant des éléments disparates de l'humanité, juifs et gentils, de cette manière, bien-aimés frères et sœurs, moi, vine météo ensemble pour que yo capable gagner un seul chef, un seul maître et un seul seigneur, un seul sauveur. Donc en Jésus, ni juif, ni gentil, toutes ces mêmes, ni esclaves, ni libres, nous toutes ces mêmes, ni riches, ni pauvres, ni toutes nous ces mêmes. Aucune distinction, bien-aimé, frère, sœur. Donc l'Église lui signalait aux puissances maléfiques que le plan de Dieu est en cours et que leur règne diviseur prendra fin. Donc à travers, bien-aimé, frère, sœur, l'Église, pas vrai, bon Dieu a montré que plan ennemi gen pou le prendre fin et plan par là a marcher l'ennemi li pa régner pour tout temps. Malheureusement, bien-aimés frères, sur moi gen moun qui pensait que le mal a continué la valer terrain sans que pa gagner yon fin. Si c'est comme ça, bien-aimés frères, sur moi bagala tab grave. Donc pour la vivre, pour bagay yo pralé de mal en pire sans que pa gagnen ola, sans que pa gagnen et aucun secours même. Ah, et vie ça t'ap sans sens. Si pa gagnen espoir, yon espérance. Hey, bien-aimés frères, sur moi espoir non, espérance c'est que le mal est pour le fini, le péché pour disparaître, la mort, maladie, tête chargée, persécution, douleur, tout ça qui a fait nous mal, tout ça qui a fait nous crier, et tout stress, tout mauvais gens, tout bien-aimé, frère, je moi, mauvaise relation, tout le monde qui a maltraité ou qui n'a pas pris un pour rien. Bien-aimés frères et sœurs, tout ça est pour finir. Tout ça est pour finir. Et il dit que, comme le dit la Bible ailleurs,
car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Et Satan connaît les bagages en plein temps. Et c'est peut-être ça. Ça a rien pour le faire, ou ça a le besoin de faire, et pas rien pour le faire, non, ça a le besoin de faire. La fait rapide, passer avec une vitesse là pour le faire rapide, pour détruire maximum monde possible. Malheureusement, bien aimé frère, monsieur, moi, l'abjeune de monde, l'abjeune de pifo monde qui est là avec lui. À cause de dureté que yo. C'est pas parce que yo pas attendez parole là, mais c'est parce que yo fait que yo dur. Plan les tracé, plan c'est un plan qui est bien élaboré. Vin joindre Jésus ou ap sauvé. Pas vin joindre Jésus ou ap perdu. Bien-aimé frère, monsieur. Et moi tout ça à toute douceur, à tout l'amour. Et moi je souhaitais que vous entendiez ça. Bon Dieu, pas ta vle aucun nan petit li yo perdu. Ta vle pour nous tous sauver. Mais malheureusement, gagne ça qui rele dépravité totale. Dépravité totale, bien-aimé frère, monsieur. C'est péché à lui qui a perdu tête lui. C'est pas bon Dieu qui a perdu. La dernière moitié de la lettre de Paul commence par un appel passionné à l'unité. Éphésiens 4 verset 1 à 16. Et il continue par une longue exhortation à éviter les comportements qui endommagent l'unité et au lieu de cela, construire la solidarité avec les autres croyants. Paul conclut pour dire que par l'image exaltante de l'Église en tant qu'armée unifiée, participant avec vigueur à la paix au nom de Christ. Est-ce que l'Église l'a unie vraie? Est-ce que l'Église l'a unie? Est-ce qu'il y a une unité dans l'Église? Est-ce que nous pas traité hier nous t'ai ouais ça dans le son hier là? Est-ce que nous pas traité yon l'autre tant qu'objet? Malheureusement moi ouais je n'ai jodi hein ça pour nous utiliser à nous pas utiliser. Ça pour nous remettre, nous pas remettre. Nous remettre l'argent, nous utiliser moun. Il t'a supposé the other way around. Il t'a supposé remettre moun, nous utiliser l'argent. C'est ça que nous est. Je voulais dire. Donc l'argent est plus important que moun. Nan tourne objet et l'argent tourne monde. Hélas, bien-aimé frère, monsieur, moi. Partie méditative non pour ce matin, il dit que comment pouvez-vous reconnaître célébrer le fait que la rédemption que vous avez reçue en Jésus-Christ fasse partie de quelque chose de vaste et de grandiose, une partie intégrante du plan ultime et élaboré par Dieu d'unir toutes choses en Christ. Ça, c'est parti pour moi-même, pour vous-même, nous capables de méditer pendant la journée, bien-aimés frères. Nous avons campé là, avec le son matin, nous avons étudié Christ au cœur du grandiose plan de Dieu. En nous coupant tête, nous pouvons prier le Seigneur. Adorable Père des cieux, l'Éternel des armées, merci pour parole la matin. Merci pour cet esprit où tu pourrais assister nous pour aider nous comprendre parole ça. Aidez-nous à ruminer sur le cours de la journée. Aidez-nous, l'Éternel, pour que nous soyons capables de méditer sur parole ça. Aidez-nous pour que nous soyons capables de mettre en pratique tout
et partagez-la s'il a eu qui soif, s'il a eu que l'ennemi marré dans les ténèbres. Donc, mes journées nous l'emmènent, tandis que nous allons retourner dans l'activité, nous, la demander au Céleste Père, que on va prendre devant, on va prendre l'air, côté levé pied, c'est là que nous allons lever par nous. Et ensuite, nous allons passer journée ça très bien, en bas de l'eau, en bas protection. Bénis-nous bien, bénis. Gardez-nous, dirigez-nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse.